François Bizot, bonsoir. Votre témoignage personnel s'inscrit dans cette histoire collective d'une manière très particulière. Vous êtes capturé en 1971 donc par les Khmers rouges et le camp où vous êtes détenu a pour responsable un dénommé Doutch et cet homme ensuite sera responsable du fameux lycée Dualsleng et cet homme a reconnu avoir ordonné l'exécution de près de 40 000 personnes sous le régime des Khmers rouges. Et pourtant, il a été à l'origine d'une amélioration de vos conditions de détention et même il a plaidé pour votre libération. Il y a toute une ambiguïté. C'est exact. J'ai été arrêté alors que le Cambodge était en guerre depuis 2 ans contre le Nord-Vietnam en quelque sorte. J'ai moi-même vécu dans cette difficulté de la guerre et de devoir continuer ma mission, mon travail à l'École française d'Extrême-Orient. J'étais donc amené à visiter les monastères, à continuer mes enquêtes. Et c'est à ce moment-là, en entrant dans un monastère, que j'ai été arrêté par des miliciens et emmené dans un camp qui était effectivement, dont le directeur était effectivement Doutch, qui allait bientôt être célèbre, c'est-à-dire 3, 4 ans après, être célèbre en dirigeant la prison de Toulsleng. À Vous cette avez eu époque. une relation avec cet homme humaine, vous avez partagé des idées. Oui, je suis resté donc 3 mois dans ce camp sous sa direction et lui-même avait pris en charge mon interrogatoire. Et j'étais donc amené à le voir régulièrement, plusieurs heures par jour. Et il est exact que ces interrogatoires ont progressivement évolué en discussion. L'intention des interrogatoires et des questions qui m'étaient posées était de prouver ma culpabilité. Déjà à cette époque, depuis début 71, les Khmers rouges avaient décidé, au cours d'un colloque qui s'était tenu dans la forêt des Cardamomes, qu'il n'y aurait plus de prisonniers libérés. Et donc, chaque prisonnier accusé d'être un espion, parce que c'était essentiellement le point de vue des maquisards, c'était de protéger la révolution contre les menées nord-vietnamiennes et américaines. Et pourtant, vous avez été libéré grâce à cet homme, en fait. Oui, alors progressivement, au fil des interrogatoires et des discussions, il est né entre lui et moi une sorte de franchise où il a été amené à me raconter aussi sa vie et il a progressivement admis, perçu que je n'étais pas coupable des accusations qui m'étaient portées, que je n'étais pas un espion de la CIA. Vous avez donc été libéré. Alors, en 1988, vous revenez au Cambodge dans ce fameux lycée de Dualsleng, transformé ensuite en camp de torture. Et parmi les photos des bourreaux exposés, vous reconnaissez Doutch. Et là, vous écrivez « Je ne puis me résoudre à identifier l'homme épris de justice que j'avais connu ». En effet, ça a été pour moi un choc de devoir le reconnaître. En réalité, c'était tout à fait lui. Son nom était même marqué sous la photo, mais j'avais beaucoup de mal à concilier le jeune révolutionnaire épris de justice qui, au bout du compte, n'avait qu'un seul but dans l'action qu'il menait dans les forêts. C'était de rendre l'homme, en tout cas le Khmer, le révolutionnaire et ensuite l'homme futur, plus heureux et de supprimer l'injustice. Et le cadre de Toulsleng, de l'ancienne école de Toulsleng, qui est un cadre absolument effrayant, montrait à quel point Doutch, cet ancien révolutionnaire, ce jeune homme, ce mathématicien, épris de justice encore une fois, avait en permanence travailler dans ce camp, sélectionner des équipes de bourreaux et conduit à la mort après la torture une De quarantaine. tant d'hommes, oui. Et la relation donc entre Doutch et vous fait la richesse de ce témoignage. Ça tranche avec le manichéisme de nombreux historiens. Il n'y a pas les bons et les méchants, les bourreaux et les victimes. L'âme humaine est plus complexe. En effet, la question c'est que. Quand on voit les choses de loin, on peut la situation plus confortable pour porter un jugement clair. Mais à partir du moment où on rencontre les hommes de l'intérieur, quand on voit aussi le cadre de leur existence, les difficultés de la vie dans cette forêt, on s'apercevait que, au bout du compte, la vie de Doutch, la vie des prisonniers, la vie des gardes avaient leurs aspects multiples. Et j'avoue que je ne voyais
Je voyais beaucoup plus dans mon futur libérateur un jeune homme dont les idéaux collaient un peu avec ceux aussi de ma culture, de l'Occident, beaucoup plus que comme un futur monstre. Alors vous dites, j'ai écrit ce livre avec une amertume sans fond, l'homme est vainqueur des monstres, mais il est aussi monstre lui-même à jamais. C'est très pessimiste. C'est pessimiste, en effet. Cela dit, cette difficulté que j'ai eue dans le camp a été pour moi révélatrice d'une vérité extrêmement pénible à supporter. C'était celle de voir que le bourreau, le futur bourreau et le directeur de camp n'étaient pas un monstre. Et c'était bien pire. Il n'était pas un monstre, il était un homme assez normal, sous bien des aspects. Et il s'acquittait de ses responsabilités avec une psychologie très humaine. Et c'est quand les écailles me sont tombées des yeux, j'ai trouvé que cette révélation était bien plus terrible que la confortable image du bourreau monstre, où, au bout du compte, le monstre n'est pas coupable, alors que l'homme qui devient bourreau l'est infiniment plus. François Bizot, merci. Je rappelle que votre ouvrage, Le Portail, paraît aux éditions de la Table Ronde. Une page de sport, cette cinquième journée.